Allez, salut à tous, ici Sormanes pour la suite de nos aventures sur RimWorld. Alors cette fois-ci, cet épisode, il va se faire hors live. Pour des raisons techniques d'emploi du temps et peut-être les 2-3 prochains également. Et on reprendra en live par la suite. Donc, on se retrouve, alors la musique que vous entendez, hein, toujours Starbound. Un jeu que je vous invite également à essayer. Donc on se retrouvait ici avec Mystic, Joss, Ziglo, Karz, Lycium et un invité, Vukri et Sardine. Vukri il fait rien lui, non? Ouais, c'était ça, c'est un invité pour une quête. Bon alors je vais essayer de ne pas oublier le bouton mute cette fois-ci parce que là il n'y a personne pour me dire attention Mad, on t'entend plus. Il va y avoir les événements hein, toujours, ils seront juste piochés aléatoirement. Et voilà, donc mission, objectif, il faut nettoyer cette base à un moment. Nettoyeur, transporteur, tiens Sardine on va te mettre en deux. Il va nous faire du ménage hein, en priorité, s'il te plaît. Les sardines. On transporte des cailloux. Voilà, c'est parti pour le grand ménage. Il faut le faire, hein, il faut le faire. Alors ici, fabrication de tissus en boucle, fabrication également de nourriture. Hop, hop, hop. Au niveau du bois, on a surtout du pain. On va faire, c'est peut-être rajouter quelques... Alors ça, c'est du palmier. Voilà, du pain. On va se rajouter quelques pots de fleurs à droite à gauche, ça c'est fait. Ici, hop. J'hésitais à en mettre au milieu, mais non. Ok, ok, ok. Même chose ici, on peut en rajouter un petit peu. Alors, attendez. Attendez, on a des visiteurs. Karz. Viens donc négocier. Moins qu'on l'ait déjà fait. Possible. Alors, les brebis, non, on les garde. Oui, c'était déjà fait, on leur a filé ça. Le riz, on en a pas beaucoup. Le tissu, on en a pas mal. Ils ont encore de l'argent, tiens, voilà. Perfin, on dégage. Vous savez quoi, maintenant qu'on se fait du tissu, on va tout virer et prendre les sous. Ok, 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 accepté. Hop. Alors, il s'agit de pas laisser traîner l'argent dehors. Donc là, on n'a plus de tissu, on a tout viré. Et comme normalement on a pas mal de coton qui traîne. Donc on est tout viré aussi, non c'est bon, il en reste là. Donc on va refaire du tissu, y a pas de problème. Ici oui il fait trop froid en extérieur. L'intérieur ça va. Allez go. On continue et donc on va placer ça encore. Voilà, des petits pots de fleurs un peu partout. Ici, on a perdu une lampe. Les fleurs sont déjà là. Voilà, c'est l'idée d'essayer de rendre la base un peu plus vivable. Tout
Ça, il va falloir s'en occuper aussi. Voilà. Bon, on s'est fait des tout petits couloirs ici, on aurait pu faire plus grand. C'est qui s'occupe de fabriquer? Constructeur, normalement, c'est Ziglo. Ziglo, il fait quoi là? Ah, mais Ziglo, il construit des trucs là-bas. Ok. Oui, Ziglo ne peut pas se battre. Est-ce qu'il y a, des armes qui traînent là? On pourrait distribuer. C'est Lycium qui n'a plus d'armes. On va essayer de s'en souvenir. Non, Ziglo, Karz, pourquoi pas. Qui est-ce qui s'occupe de Michel? Tame, on a plus personne. On va être Mystique Joss et Ziglo. Colombe non enterré, bah oui, mais. Est-ce qu'on a de quoi l'enterrer aussi? Ça va, il n'y avait pas d'armes. Bon, bah écoutez, pour l'instant c'est mission pot de fleurs à condition que Ziglo se concentre sur la chose. Ziglo, il en est où? Nourriture, ça va. Il a beaucoup à construire hein, quand même. C'était en quoi? En pain. On a ce qu'il faut. Et niveau bouffe, on a ce qu'il faut aussi. Sardine qui a vraiment très bien avancé le ménage, quasiment fini. Ça sera la prison aussi. Une fois que ce sera fait, la sardine pourra faire autre chose. Pas de problème. Et donc, quel pourrait être le prochain objectif? Oh, il en reste encore un. Prochain objectif pour nous, on a peut-être pas mal de choses à construire. De préparation des aliments, ça pourrait être en là ici. Nous fait de la canne à sucre en boucle. Éventuellement, on pourrait te mettre également les plats simples. Parce que j'ai découvert que ça n'avait pas besoin d'électricité en fait. Donc si jamais cuisinière à bois, on en a plus besoin. Peut-être l'enlever du coup.
Voilà, on mettra autre chose ici. Pluie de vomi, d'accord. Très bien. La navette est arrivée. C'est pour Vuki. Vuki, barre-toi s'il te plaît. Parce que vu qu'il mange, il fait pas grand chose d'autre. Vendeurs de produits exotiques, ils sont bientôt arrivés chez nous. Bien qu'on récupère l'ithium à un moment. Coma catatonique. Ça s'arrête un peu quand ça veut. Karz. Viens donc négocier. Mais vous êtes deux. Alors, on a quoi? On a bouc et chèvre. Why not? Ah, il y a des composants. Ok. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut leur vendre? On peut leur vendre le bronze. On peut leur vendre ça. L'or, on va le garder. Bon, on va prendre les composants. 800 balles. C'est cher, mais bon. 1300 balles. Allez, c'est pas grave, on les prend quand même. C'est vraiment très très cher. Allez, c'est pris. 15 ensuite. Il y en a un autre, là. Est-ce que c'est lui? Ah mais ça c'est le... Le percepteur royal. Allez, il faut que de toute façon notre argent nous serve pour notre survie. Les composants c'est la base. Gardienne de feu, nénia. Ok, ok. On a récupéré l'ithium. L'ithium va donc t'équiper. Pistolet mitrailleur. Oh là là, on en récupère un. Pour que un autre se barre. Alors attendez, la capsule de sauvetage va nous intéresser. Veut de la viande humaine. Avec une petite faute ici. Manger de la nourriture, ok. Ouais mais c'est pas beaucoup de... Souffre moyennement, c'est surtout ça qui le dérange. Bon. Alors. Qui es-tu? Tu crèves dans 6 heures. Est-ce qu'on peut le sauver? On le capture. On va tenter de le secourir déjà juste. On va le dessaper avant si on peut récupérer les fringues. Je pense qu'il va pas s'en sortir. Ah, il y a que de la bouffe. J'hésite à capturer. On va rester courtois avec nos voisins. Ils nous seront redevables. Bon, Ziglo.
Est-ce qu'à un moment on les attend, les pots de fleurs, quand même? Mais il nous fait à manger. On va pas trop lui en vouloir. Mes cuisiniers. Ah oui, si, t'es en premier. Mystique Joss qu'on va mettre à la cuisine en attendant. Alors, est-ce qu'il est sauvé lui? Perte de sang extrême, mais bon. Au moins on a tenté. Éruption solaire, ok. Ah, c'est là qu'il nous faudrait l'éolienne en vrai. On en a une. Je dis pas vraiment. Qu'est-ce qui est alimenté là? Parce que eux ils sont. Les réserves sont connectées mais tout est éteint. Ah oui, c'est à cause de l'éruption, pardon. Qui bousille aussi les lampes, etc. Alors, donc voilà, là il n'y aura pas de vote, ça va être pioché aléatoirement. On va quand même laisser le temps découler parce que c'est un événement bien pourri. Donc on n'a pas envie de se le taper tout de suite. Il fait moins 4 dehors, impossibilité de faire les fermes ici. Bien, Ziglo qui continue les pots de fleurs. Il va avoir fort à faire avec aussi du parquet. Ah mais il en a peut-être pas. Ah, le birch il en a plus. Bon c'est pas grave, on recommencera à couper des arbres un moment. Le foin s'est détérioré, s'il en reste, c'est bon. Pas de problème. Ce qu'on pourrait faire, c'est une treilleuse aussi. On a dit ça. Électrique. Ah non, Mailing Stone, c'est pas ça. On a pas de treilleuse. N'existe pas. Bon bah écoutez ces vaches, est-ce qu'on peut... C'est un taureau. Prioriser très vache. Et il nous faut quelqu'un pour s'occuper des animaux du coup. Produit gaspillé, il n'a pas réussi à traire la vache correctement. Bon, petit à petit tout le monde... Oh pardon, des os, on t'a oublié. Alors, un animal breeder nommé Hub est arrivé à la colonie. Ah mais c'est... d'accord. Ah oui, bah parfait. Oh là là, terrible. Bon, les vers intestinaux pour tout le monde. Alors, bienvenue dans l'équipe.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas le mettre en cuisinier. Fermier, pourquoi pas. Ah bah justement, tiens, voilà. On va le laisser en tame et en fermier. Dresseur, pourquoi pas également. Train, pourquoi pas. Voilà, comme ça il s'occupera. Alors, on va voir, hop, je peux pas genre te soigner par exemple. Alors, dans sa bio à lui, c'est un combattant mêlée. Il a une hache avec lui. Est-ce qu'on n'a pas mieux à lui proposer? Est-ce qu'il est chaud pour prendre une arme à feu? Ça, c'est la question. Je pense qu'il va pas être très content, mais bon. Et on va l'offrir à Carthagène, ce personnage. Alors, attendez. Ici, il n'y a pas... machin de mêlée avec une arme à distance. Non, c'est bon. Ok, donc Carthagène. Oups. Il me semble qu'on avait déjà donné un personnage à Carthagène, donc c'est peut-être le retour de Carthagène dans l'équipe. Une pousse de guarana. Oh, hop. Qu'est-ce qui se passait là? Qui c'est qui était en train de creuser des trucs à proximité? On va envoyer Ziglo réparer ça également. Vêtements chauds requis. Figurez-vous que les vêtements chauds, on y travaille. Bon, on va laisser ce panneau tranquille, on n'a pas besoin, en vrai. Ça c'est quoi? Le peuplier. Évasion de Michel. Très bien, on va le laisser se barrer Michel, parce qu'il saoule un peu. Quoi qu'il a, il y a quand même des... Non mais passe par les portes. Ah, quel enfoiré. Ok. Et qui est Michel? Tant pis, on va défoncer Michel. La vengeance de Michel, ok. Michel, il aura fait son temps. Il était là depuis le début. Parmi les trois premiers colons. Mais là, il est trop compliqué à gérer. Ah, quoique, on a Carthagène maintenant qui pourrait peut-être s'en occuper. Oula. Ok. Tiens, bah d'ailleurs, Carthagène. Attaquer. Lycium. Attaquer. Tardine peut pas. Ça c'est fait, hop. Non, Lycium, tu vas capturer Michel. On retente. On laisse une dernière chance à Michel. Erz, tu veux pas te soigner là? Prioriser soin de Michel.
Attendez, est-ce qu'on a tout le monde en nurse? Oui. On a besoin de s'occuper des blessés. Ah, j'avais pas envie qu'il nous défonce la base. Il était passé par les portes, je pense que je l'aurais laissé partir. Et Michel est soigné. Lycium, est-ce que tu peux venir chercher ça? Parce que. On va pas laisser. On va pas laisser Michel avec une arme dans sa cellule. Bon, toute l'équipe à l'hôpital, comme d'hab. Terrible histoire. Ça, on pourra peut-être le virer un moment. Lycium hein, qui continue inlassablement. Tiens, tu pourrais nous ramener ça s'il te plaît? Ah non, tu peux pas. Ziglo, peut-être qu'il peut lui. On les fait nos murs. Quand on en demande. Où est-ce qu'ils sont? On a construit des murs artificiels quand même. Voilà. On les demande en gabbro. Ok, Kars totalement guéri qui va récupérer de la bouffe. Parfait. Carthagène nous a récupéré du lait enfin. Alors, est-ce qu'on pourrait fabriquer un truc avec ça? Par exemple, faire du fromage. En boucle. Kars nous fait du riz au lait, visiblement. Très bonne initiative. Est-ce que tu veux pas nous faire ça? Ah non, il va faire des plats. Parce qu'il n'y avait plus de lait. Bah écoutez, finalement, on se lance dans l'élevage bovin, petit à petit. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir les nourrir? Je suis pas sûr. Pas très longtemps. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait une autre ferme avec du foin. On va peut-être faire ça. De faire un deuxième. Qu'est-ce qu'on a en pierre là? On a pas beaucoup. Ah, éventuellement on peut faire en bonne. Ça pourrait passer.
Voilà, on va demander de creuser tout ça et puis on va se faire une deuxième rangée. Avec entre autres du foin. Voire même que du foin parce qu'on va miser tout sur les animaux avec cette nouvelle rangée. Le riz, on a vu qu'on pouvait s'en sortir un peu avec. Bon, et Michel, il en est où là? Social, Carthagène, tu veux pas t'en occuper? Un travail, on va le mettre joli également. Alors voilà, lithium heureux de venir miner là où il y a des gens. Alors même chose, on mettra une porte en face. Ça, ok. Oui, alors Mystic Joss, il a plus d'armes, mais une biche s'est laissée apprivoiser. Très bien. Carthagène, puisque t'es debout, tu vas nous récupérer la biche. Une biche qu'on revendra très probablement. On a l'occasion. Du sel compacté. Ah, toujours pas de métal. Hein. C'est notre gros problème. Bon, les petits pots de fleurs, ça a l'air d'être fait. Pas de problème. Ensuite, personne n'est venu. C'est vrai qu'on pourrait changer les plantes. Hein, mais bon. C'est détérioré, oh là, y a plus rien pour eux. On se dépêche. Ah oui, mais on a pas de métal. Il nous faut 100 de métal pour ça. Terrible histoire. Bon, au moins l'endroit sera prêt. Voilà, lithium. Pas lithium, Carthagène qui nous rapatrie la biche. Totalement guéri, il rentre chez lui, c'est très bien. Mission accomplie. Bon, c'était pas une vraie mission, mais tout de même. Du sol en bonne. Bon, lithium ça progresse un petit à petit. Amateur. Il aime sociabiliser, il aime les animaux également. D'ailleurs, on pourrait peut-être se faire une salle. Une salle avec ça. Ou deux. Ou trois.
on va planir dans les pièces où c'est possible. Alors, où il n'y a qu'une seule matière. Toi, tu erres dans un état psychotique. Décidément, Mystic Joss, il a du mal avec nous. Est-ce que t'as été nourri? Oui, pas de problème. Pas de problème, mais social. Est-ce qu'on libérerait pas Michel? Au final, ce serait peut-être plus simple. On va déshabiller Michel. Voilà, tu veux retourner à l'état sauvage. Eh bien, écoute, on va te libérer. Adieu, Michel. Adieu, Michel. Libéré, non pas exécuté. Carta, ici. Prioriser, relâche Michel. Voilà, fous-le dehors. Oups. Voilà. Allez, va te soigner dans la neige. Adieu Michel, il aura fait un long parcours avec nous. Il aurait été là depuis l'épisode 1. Et désormais, il ne reste plus aucun des pionniers de cette colonie. Qui était Michel, José, Josiane. Je pense que c'est mieux pour tout le monde là. Michel ne voulait plus faire d'efforts. Et en attendant, Michel nous prenait du temps et de la bouffe. Il menaçait de nous péter les genoux. Et le mobilier. Bon, inlassablement, Lycium continue de miner. Un Kars. Dans le doute, est-ce que tu veux pas 24%? Quoique, on n'est pas obligé avec... avec le truc thermique. Alors. Nous n'avons plus de foin. Alors éventuellement, que tu pourrais nous en planter un petit peu quand même. Voilà, herbe à foin. Ce sera pas énorme. On va en mettre 5. S'occupe de la ferme ici. Carta. Et c'était pour ça qu'on laissait la lumière. Fonderie à geler, bah ouais, c'est terrible, moins 17. On est en juillet et il fait moins 17 quoi. Bienvenue au Canada. Alors courge à geler, on n'a plus rien. Plus rien, plus de bouffe. Il nous reste 52 foin qui vont pas tarder à disparaître.
Bon, en attendant, Ziglo s'occupe. Ici, on va pouvoir planir également. Mais tu peux même tout à planir. Bon, on s'attend à un avenir compliqué ici. 32 plats de bouffe. On est 6. Donc on a viré Michel au meilleur moment. On aurait dû le faire avant. Ici, lithium. Je ne vais pas nous remplacer ça, s'il te plaît. On a besoin de nos radiateurs. Gaspille pas les composants quand même. Bon. Ici on a besoin de ça aussi. Il est en train d'apprivoiser Michel. Non, tu arrêtes ça. Tu arrêtes ça tout de suite. Nous n'apprivoisons plus Michel. Oh, de la bouffe. Carthagène. On se porte ça. Ça, ça tombe très très bien. D'ailleurs, du coup, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres ? C'est la question que se posent les chercheurs. Les chercheurs de bouffe, hein, essentiellement. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui. Un cerf local est devenu enragé. Est-ce qu'on a quelqu'un de ce côté-là? Oui, non. Il devrait finir là-dedans. Voilà, parfait. On va découper le peu de viande qu'on a trouvé là. Alors, une peste, parasite musculaire, une infection. On va croiser les doigts très fort que ça tombe sur un truc gérable, genre
les parasites musculaires, éventuellement l'infection s'il n'y a qu'un seul personnage, mais la peste ça va être terrible. Parce que on n'a plus de médoc. Est-ce qu'on peut en chercher? Il n'y en a plus. Il y en a plus. Hein. Zéro. Et on peut pas en planter. Parce qu'il fait trop froid, mais bon, même le temps que ça pousse, ce serait trop tard. Bien. Des grosses embrouilles. Et on continue de fabriquer les trucs, hein, si jamais il y a des survivants après ça. Aziglo nous fait la ferme, c'est parfait. Il fait tout, hein. Il fait la construction, il fait la ferme, il fait la cuisine. On se demande ce que font les autres du coup. Allez hop, il va nous faire le sol là. Compulsion pour Carthagène. Qui est une onde psychique apaisante pour les colons hommes. Ça fait plaisir. C'est assez rare qu'on ait des événements vraiment cool. Carthagène, il est au fond du trou. Hein. Différentes croyances. Pas d'esclaves dans la colonie. Ah, tu veux, d'accord. J'étais en train de vérifier qu'on ait de la place dans la décharge. Oh là là. Le verdict va tomber incessamment sous peu. Parasite musculaire, on a été... On a été épargné par le jeu, merci. Ok, ok, bah écoutez, ça c'est un soulagement. Maintenant, voilà, il n'y a plus de bouffe. Il nous en reste encore un peu. Faut que le riz arrive vite. 51%. Non, mur à 28%, pardon. 25, 12. L'herbe à foin, mur à 12%. Ces lumières ne fonctionnent plus. On peut les reconnecter au cas où. Non, diglo. Non, mais elles ont l'air tout à fait fonctionnelles. C'est juste que c'est pas l'heure. Bon, faudrait vraiment que cette vague de froid là s'en aille. Qu'on puisse retoucher à nos champs parce que ça devient compliqué là. À un moment, il faudra peut-être qu'on parte en expédition aussi, mais j'ai peur de les envoyer là sans rien. Ça me paraît illusoire d'imaginer qu'ils vont survivre. Alors peut-être qu'on pourrait aller juste à côté, ceci dit. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Bon, un petit coin juste à côté pour aller chercher du fer.
Est-ce qu'on pourrait se tenter un truc comme ça? Former une caravane. Ok. Alors, on va laisser les bestioles où elles sont. Ah, mais ceci dit, on pourra pas transporter grand-chose. Provisions de voyage, ouais, il y en a peu là. Donc, les plats, comment on les ajoute? On peut pas les ajouter plus. Si, on peut. Pour nos plats. On n'a pas d'autres. On n'en a pas d'autres. Eh ben écoutez, on y va comme ça. Voilà, on va essayer de trouver de la bouffe sur place éventuellement. Au pire, on chassera 2-3 bestioles. Et bon, c'est parti. Voilà, opération métal, c'est ça qu'il nous faut. Et l'opération métal, eh bien écoutez, on va la suivre lors du prochain épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi en souhaitant que ça vous ait plu. On se retrouve bientôt pour la suite.